Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 298 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Pickers, qui est un jeu que je ne connais pas non plus et qu'on va voir ensemble. Change profile. Enter name. Sylvanus, c'est moi. Ok. Welcome Sylvanus. En option, est-ce que c'est en français ou pas du tout? Non, c'est pas en français. Cancel. Allez, play. Alors, on va jouer en mode relax and pick at your own pace with no competitors. Mademoiselle mode never competitors. Non. Bon, allez, en régulier, allez. On va se mettre en régulier. This is the top pickers challenge. The goal is to top picker after 30 days. Je sais pas du tout, ça a l'air d'une sorte de simulation. The rusted golem, blablabla. Scooted of you, choose your location. Ouh, qu'est-ce que je vais... choose my location. Ah, oui, c'est un jeu, un autre truc avec des antiquités. Oui. On va commencer dans un bus. Ah, nom de Dieu. Oh non de Dieu, c'est un jeu d'objets cachés. Bon. You can pick any item for your inventory. Something you don't want. Can carry, let's say. Je crois bien que c'est un jeu où vous chopez des objets et qu'ensuite faut les vendre. You can always counter on offer to regain a better price. Ah ouais. Donc je vais vendre des trucs. Je sais pas si j'ai dépensé de l'argent ou si j'en ai gagné. To get the angling going. Je sais pas ce que c'est que what the fuck. Ouais, mon camion qui m'appelle. Ah. Ok. Ok, donc je revends des trucs. Hein. On va pas se faire chier, hop. J'ai demandé à des experts. Voilà. J'ai vendu des trucs. No more shopper. Alors en gros, le but c'est juste de pouvoir les vendre. Donc je baisse de 5. Ça, je baisse de 100. Non, je remonte de 100, je baisse de 25. Je close for the day.
Et on est reparti à la chasse aux... aux antiquités. Ah, donc en gros, faut être un antiquiteur pour... voilà. J'ai trouvé une clé, bah c'est bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder qui coûte cher? Oh, un coup de téléphone. Find each selected item. Ah, putain. Oh mon dieu, c'est purement un objet caché, quoi. J'aime pas ça. Alors, ça c'est une flûte. C'est un... En plus, faut comprendre ce qui est marqué. Flashlight, une lumière. Elle. Un bracelet. Ouais. Ça va vite me saouler. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais dit que je ferais pas ce genre de jeu. En plus, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Mermaid Carving. C'est une sirène, ça non? Mermaid. Little Mermaid, c'est la petite sirène. Et Carving. Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est trop fort. En plus, faut traduire. En fait, c'est bien, c'est pour l'anglais. Détergent de box. Ouais, ouais. Non. Est-ce que je peux cliquer n'importe où, jusqu'à ce que je trouve? Le bracelet. Voilà. Voilà, voilà. Purse. Parce que c'est un purse. Alors du coup je clique un peu n'importe où. Ok. Donc je sais pas ce que c'était, j'ai pas fait gaffe. Ok. Et une boîte de détergent. Et ça, ça... Ah bah oui, bah, je suis con. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Basketball trophy. Génial. Génial, génial. Est-ce que je peux ressortir de là, s'il vous plaît? Ah oui. Well done! Eh ben, c'est bien. J'ai toujours pas récupéré l'objet, du coup. Récupérer ça. C'est bien, c'est bien. Ce truc-là. Un arrosoir, ça coûte pas cher. Mais ta gueule, toi. Ça, là. Ok, j'ai cliqué sur un truc sans savoir. Ça. Puis ça. Store. Ah oui, parce qu'il faut évidemment que je les achète, évidemment, hein. Voilà, voilà. Accepte. J'ai plus d'argent. Thanks your business. Hello. The journey is finished. Allez, on se fait une petite vente là. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Look for thing at your picks. Eh ben c'est bien si je dis ça, ça et ça. Ça n'a servi à rien. Alors on va définir le prix, ça, voilà. Set price. Si je veux au moins comme ça, ce prix-là, ça, on va le vendre à ce prix-là, et ça, à ce prix-là. Ensuite, on va faire plus 25 sur tout le monde. Oup, oup, oup. Allez, ready for shops. Ça, c'est vendu. Ok pour lui, ok pour lui. You get 70. Non, ouais, vas-y, allez, je vends tout, je suis un bâtard, j'ai perdu de l'argent. Je m'en bats les couilles.
Yes, menu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est Pickler, c'est un jeu de simulation de vente d'antiquités. Voilà, donc je pense qu'il y en a certaines que ça doit amuser. Moi ça m'amuse pas du tout. En plus au passage c'est un... Comment ça s'appelle? Si on mélangeait ça avec un jeu d'objets cachés. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Faites plein de choses. Et puis à très bientôt. Salut !